savez où nous sommes ? Alors nous sommes sur l'ENS de la forêt des Hauts-de-Montvert, donc située sur la commune de Saint-Pierre, à environ 1600 mètres d'altitude. Alors la particularité donc de la forêt des Hauts-de-Montvert, c'est que donc déjà située dans le cœur du parc national de la Réunion, et puis c'est un site qui symbolise à lui tout seul donc le patrimoine inscrit dans l'UNESCO en fait. Donc il y a à proximité donc du site un rempart vertigineux de 1000 mètres et puis une forêt de bois de couloir qui est hyper bien préservée. Donc c'est un site qui symbolise ce bien inscrit au patrimoine mondial à lui tout seul. Donc la forêt des Hauts-de-Montvert, c'est une forêt de bois de couloir des hauts, une forêt de brouillard ou une forêt qui est dans la brume en fait, une forêt de mao, avec beaucoup donc d'espèces endémiques comme le fangeant, le mao, le mapou, le fleur jaune, etc. Et la particularité de cette forêt, donc, c'est qu'elle est située donc, en grande partie dans le cœur du parc national de la Réunion. Donc la valeur elle est consacrée en tout cas par ce parc national-là, une valeur écologique qui est indéniable hein, et qui a été reconnue depuis les années 70 en tout cas, donc sur ce secteur. Alors les animaux qu'on va retrouver donc, dans la forêt des Hauts-de-Montvert, ce sont principalement des oiseaux, donc des oiseaux endémiques. Je vais citer donc le merle pays, le oiseau vert, le tec-tec, voilà, donc, avec une jolie robe rousse sur la poitrine des mâles notamment, le chacouette ou le zozo la vierge, le zozo blanc, voilà, donc pour les principales espèces. Dans la forêt de bois de couloir des hauts, du manière général, on va retrouver donc des mao, des fangeants, des fleurs jaunes, pour citer les principales. Voilà. Donc le bois de Laurent Martin aussi, avec une belle floraison donc, en forme de petite fleur en forme de cloche, petite clochette. Voilà, on va retrouver aussi le bois de piment dans la forêt de Hauts-de-Montvert. La particularité du bois de piment, c'est que les fruits ressemblent beaucoup au piment, sauf que c'est pas comestible.